Salut à tous et à tous, c'est Explosion213, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart 7. Donc c'est un petit jeu de course, on est avec Luigi. Donc j'ai mis le premier grand prix, donc c'est parti. Je pense qu'on va faire tout le prix entier. Alors c'est parti. Donc par contre, excusez-moi si je... Des fois, vous voyez la DS qui bouge, c'est parce que quand je dois lancer des objets, en fait, je dois appuyer sur le bouton de derrière. Et quand j'appuie sur le bouton de derrière, bah, ça fait que la DS se baisse un peu. Donc, désolé. Donc là, on est sur 3DS. Hein. Donc, si ce petit... Si cette petite game sur ce jeu 3DS donc vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et proposez-moi si vous voulez que je continue à faire des vidéos sur 3DS. Et dites-moi si vous voulez que je vous fasse une présentation de tous mes jeux DS pour que je fasse des vidéos dessus. Et je peux vous dire, j'en ai pas mal. Donc là on est premier, on a une carapace, on la lance. A chaque fois j'essaye de la lancer en arrière, ça marche jamais. J'ai réussi à toucher quelqu'un avec ma carapace. Allez. C'est parti mon kéké. Allez. Dernier tour. Donc là il y a quelqu'un qui nous a mis un petit atout qui fait qu'on voit plus bien l'écran. Donc là, on s'est pris une carapace bleue. En fait, cette carapace, c'est que vous la balancez et ça touche, ça va directement toucher le premier de la game. Donc là, vu que je suis premier, bah, c'est moi qui me la suis prise, en fait. Donc voilà. Carapace rouge, on va essayer de la balancer en arrière. Les carapaces rouges, en fait, normalement, ils vont directement sur les personnes qui sont devant vous. Mais par contre, quand vous les balancez en arrière, ça marche pas. Donc, il faut qu'ils soient devant vous pour qu'ils aillent directement sur eux. Donc, voilà, on a terminé la première course. Donc, on continue. Hop, course suivante. Alors, on est dans la vallée de Peach cette fois. Non, de Daisy, qu'est-ce que je raconte moi? 3, 2, 1. Oh non, j'ai mal appuyé au bon moment. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, pour faire un bon départ, il faut que vous appuyez à la fin du 2. Sauf que moi, j'ai l'habitude de jouer à GTA et à GTA, faut partir au go. Du coup, bah, je me fais avoir. Hop, on est troisième cette fois. Mais non, mais te fous pas de ma gueule, toi. Allez, on balance des boules de feu. Mais non, mais c'est pas possible. Il y a tout le temps quelqu'un qui vient nous faire chier avec son truc éclair, là. Et le truc éclair, ça fait que vous... Et ça vous ralentit, et du coup, bah... Vous perdez de la vitesse et tout. Allez, on est repassé premier. On va essayer de garder notre place. Il y a une banane ici, on l'esquive. Il y a un mouton qui se balade en plein milieu de la route, au calme. En mode chérie, je m'en bats les couilles. Hop. On passe au trou les montgolfières. Mais non, mais il m'a balancé sa carapace. Pile au mauvais moment quand j'étais au-dessus de l'eau.
Je repassais dernier à la fin, putain, non. Vous n'avez pas le droit de me faire ça. Vous n'avez pas le droit. M'en fous, il se l'est prise. Et... Ah non, il reste encore un tour. J'ai eu de la chance, si ça se trouve. J'allais finir dernier alors qu'il restait plus qu'un tour. Allez. Il y a des bananes partout. Allez. Et ils font chier avec leur carapace rouge là. Mais, hé, avec ton éclair, tu me casses pas les couilles, toi. Hein. Allez, c'est parti, on va finir premier, allez, vite. En fait, là, j'ai la queue, donc en fait, dès qu'il y a un ennemi autour de moi, j'appuie et ça le tue, en fait. Donc voilà, on a fini premier. Donc je pense qu'on va finir, on va finir toutes les courses du prix. Donc c'est parti. Alors là, c'est une course qui se passe en dehors de l'eau et dans l'eau. Donc vous allez voir l'effet que ça fait quand on passe dans l'eau. Oh. Cette fois, j'essaye de pas me fail au... Voilà, je me suis pas fail au départ. Donc pour ceux qui jouent à Mario Kart et qui savent pas comment on fait les dérapages, vous appuyez sur le bouton R et puis ça et vous dirigez votre joystick vers une direction et ça va tout simplement vous faire un dérapage. Et dès que vous voyez des étincelles bleues, vous pouvez lâcher et ça vous fait un petit boost. Ou alors si vous restez longtemps appuyé et vous attendez qu'ils deviennent rouges, et là vous allez encore plus vite. Allez. On est au deuxième tour. Par contre, le truc un petit peu difficile à contrôler quand vous faites un dérapage, c'est que vous dirigez pas trop votre direction, quoi. Donc là, comme vous pouvez le voir, quand on est sous l'eau, ah, encore une personne qui me lance un truc qui nous aveugle, mais bon, on arrive quand même à jouer avec, ça nous déstabilise un petit peu, mais on arrive quand même à jouer. À un moment, j'avais fait une game, j'avais réussi à rattraper le tout dernier. Et je l'avais dépassé. Le mec, il était sacrément nul pour ça, quoi. Non, carapace bleue. Bon bah, encore une carapace bleue qui vient chercher le premier. Et vu que c'est moi le premier, c'est pour ma gueule. Bah oui, parce que si on peut me faire chier, bah on va me faire chier. Sinon, c'est pas drôle. Donc, comme vous pouvez le voir, l'animation avec le parachute, il est stylé, je trouve. Après, chacun ses goûts. Allez, on a fini. Encore une course. Et bah, on aura fini le prix. Donc en attendant que la course se lance, dites-moi si vous voulez que je continue ou non mon let's play sur Hitman. Parce que il y a des gens qui disent qu'ils veulent pas le regarder. Donc dites-moi si vous voulez que je continue ou oui ou non. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, dans cette map, je connais un passage secret. Il est pas mal du tout. J'en connais même deux. En voici un, déjà.
Sur Mario Kart, en fait, il faut bien que vous observiez les alentours. Parce qu'il y a plein de passages secrets, en fait. Donc là, il y en a un. Hop. Et hop. Donc là, il va y avoir un gros... Oh non, mais putain! Eh, vous faites chier avec vos éclairs, merde. Et comme par hasard, j'ai pas cette vitesse du coup. Oh là là, c'est du foutage de gueule ce jeu, hein. Allez, on se dépêche. Deuxième tour. Donc excusez-moi si je parle pas beaucoup, mais je suis assez concentré là. Ok, il y en a un qui a balancé son truc pour nous faire chier. Mais c'est pas grave, ça nous gêne pas. On a balancé le truc pile sur le jump, donc j'espère que quelqu'un va se le prendre. Allez, hop. Mais ça va être le dernier tour. Hop, c'est le dernier tour. Donc en ligne, en fait, si vous jouez en ligne Mario Kart et que vous connaissez un passage secret, c'est quasiment sûr et certain que quasiment toutes les games, les personnes de la game connaissent ce passage secret parce que... Il y en a tellement des passages secrets, quoi. Allez, on va bientôt finir la course. Et ça sera la fin de la vidéo. Il y en a un qui nous aveugle, mais c'est pas grave. Nous, on arrive quand même à jouer avec. Et voilà, c'est fini. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue à faire des vidéos sur 3DS. Et dites-moi si vous voulez que je continue mon let's play sur Hitman. Donc on se dit à plus. Ciao, ciao.